Hello, hello, hello. Bonsoir à tous. Que Dieu soit béni pour cette journée de plus dans notre vie. C'est parti, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait un live de ce genre. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Aujourd'hui, je voulais faire un sujet pour rappeler à quel point, en tout cas, j'ai été touchée de tous vos messages que vous avez envoyés, les messages que vous avez envoyés pour mon anniversaire. Vraiment, ça m'a touchée. Merci beaucoup. Merci pour vos messages. Il y en avait beaucoup. En tout cas, c'est gentil d'avoir pensé, d'avoir pris le temps d'écrire. C'est vraiment gentil, quoi. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse tous, en tout cas. Vraiment, ça m'a touchée, quoi. Merci beaucoup. C'était hier mon anniversaire, je reçois encore des messages aujourd'hui. Mais voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas de prendre le temps de me souhaiter quoi. Là, je voulais faire un sujet, ça parle de l'amour, ça concerne l'amour quoi. Je voulais faire un bref sujet. Avant de commencer, je tenais, voilà quoi, à vous remercier encore une fois. Parce que c'est pas tout le monde qui écrit quoi, malheureusement quoi. C'est pas tout le monde qui prend le temps. Il y a des gens qui sont venus en privé, d'autres qui m'ont appelé. Comment dire, c'est gentil de votre part. Moi je remercie Dieu en tout cas par-dessus tout parce qu'il me donne le souffle de vie. C'est tout ce qui compte en fin de compte. C'est tout ce qui compte. Le souffle de vie, la santé et qui subvienne à nos besoins, à mes besoins, à mes enfants, à ma famille, c'est tout ce qui compte quoi, c'est tout ce qui compte vraiment parce que le reste est rien en haut comme on dit, parce qu'avec Dieu j'ai confiance, je sais que en tout cas ça va venir quoi, parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps, ça va aller. Je suis là aujourd'hui pour vous rappeler, te rappeler à toi que l'amour existe encore, le vrai amour, parce que comme on dit chez nous, quand je dis ça, c'est pour dire que ça a plusieurs sens. Ça peut avoir ce sens-là qu'on entendait dans une certaine chanson, que tu peux avoir plusieurs partenaires, mais il n'y a qu'une seule personne dans ton cœur. Ça peut être aussi plusieurs façons d'apprécier, d'aimer, mais il n'y a qu'une seule façon d'aimer en réalité. Mais là, en fait, je vais me rapprocher toujours de la parole de Dieu, bien sûr, parler de la vérité, parce que la réalité n'est pas la vérité. Aujourd'hui, le temps passe, il y a beaucoup de gens. Avec le temps, ils prennent de l'âge, forcément. Et on a tendance à se sous-estimer. Quand on est une femme, on a des enfants. On a tendance à se contenter de ce qu'on nous donne, quoi. Moi, je voulais te dire, en tout cas, c'est que peu importe l'âge que tu as, dis-toi qu'avec Dieu, la grâce ne s'arrête pas, ne se définit pas à l'âge que tu as. Tu ne devrais pas te sous-estimer ou te contenter de ce que t'apporte la personne avec qui tu es. Tu ne devrais pas te contenter. Déjà, de un, c'est grâce à la parole que Dieu a créé le monde. Il ne faut pas te laisser faire. Quand tu penses qu'il y a une chose qui n'est pas juste dans ta relation, il faut savoir le dire. Il faut savoir en parler. Parce que le vrai amour fait que la personne qui est en face de toi, tôt ou tard, elle doit pouvoir écouter et te comprendre. Tu vois, il y a beaucoup de choses que tu as fait dans le passé, une vie que tu as eu beaucoup de relations. Et on va dire que ces relations-là que tu as eues, elles t'ont pas fait du bien au cœur. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont traversé. Comment dire, certaines déceptions, mais qui sont plus sur cette terre malheureusement. Toi, Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, Dieu t'a donné la force, il a été avec toi dans tout ce que tu as traversé. Tu vois, et c'est ça l'amour, c'est te soutenir malgré le fait que tu n'es pas dans sa volonté. Tu as fait une vie sans sa volonté, mais Dieu a toujours été avec toi et t'a protégé. Tu n'es pas tombé malade, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui tu avances, tu as, comment dire, des enfants. C'était peut-être pas ton souhait de te retrouver aujourd'hui là avec tes enfants, mais sache que Dieu est avec toi, qui te fortifie. Il faut que tu puisses comprendre que malgré tout, le plus important, c'est le souffle de vie et c'est la santé. Avec Dieu, il y a de l'espoir. La vie que tu as aujourd'hui, elle peut être différente. Si toi tu, comment dire, si toi tu t'accroches à lui, c'est ce que je veux dire, si toi tu t'accroches à lui, tu vois, parce que tu peux aujourd'hui croire en Dieu, tu peux aujourd'hui, comment dire, essayer, en fait, tu le recherches à un point, mais par moment tu ne sens pas sa présence, par moment tu as l'impression qu'il n'est pas là, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là, en tout cas, c'est, comment dire, Dieu est toujours là. Peut-être que toi, quand tu le sens pas, c'est peut-être parce que toi, tu n'y penses pas. Tu n'y penses pas. Sache que Dieu est là pour toi. Dans la situation que tu traverses, il faut que tu croies qu'un jour les choses vont changer. Il faut que tu croies à ça. C'est par rapport à ce que tu crois que les choses vont se réaliser. Si tu es défaitiste, si par exemple, là, on va dire que tu es célibataire, tu attends peut-être la personne qu'il faut. Et aujourd'hui, tes critères ont diminué à cause de ton âge. Sache que la grâce de Dieu n'a pas diminué.
La grâce de Dieu n'a pas diminué pour toi. Dieu, sa parole, elle ne diminue pas selon le temps. Elle reste la même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu te promet des plans de bonheur pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Des plans de bonheur. Ça veut dire qu'un jour, tu seras heureuse, quoi. Tu seras heureux, tu seras heureuse, quoi. Tu vois, il ne faut pas te sous-estimer, il ne faut pas te diminuer. L'amour, le vrai, il existe, quoi. Aujourd'hui, il ne faut pas te contenter d'une personne qui ne voit pas ta valeur parce que tu vois que non, peut-être il y a les enfants, peut-être que non, il y a le temps, peut-être que tu vois ton âge et tu penses que c'est tout ce que tu mérites. C'est parce que tu ne connais pas les plans de Dieu, c'est parce que tu ne connais pas les pensées de Dieu, que tu te contentes de ce qu'il y a devant toi. C'est pas normal que tu te satisfais de cette chose-là, de cette personne-là, parce que tu mérites mieux que ça. Pour toi, Dieu, il a des meilleurs plans. Il a une meilleure personne, une personne qui saura voir ta valeur. Mais toi, tu t'arrêtes en fait à, comment dire, à cette chose-là, à cette relation, on va dire, à cette relation. Tu te diminues tellement. Mais si tu voyais à quel point Dieu, comment dire, Dieu te valorisait, à quel point Dieu te voyait, à quel niveau tu es spirituellement. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne vois que les sentiments. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous éloignent de Dieu. Ce sont les sentiments, les relations, les problèmes, comment dire, sentimentaux. Quand tu as des problèmes, il y a beaucoup de gens, en tout cas, ça les affecte vraiment moralement. Et du coup, ils n'arrivent plus à être en connexion avec Dieu, ils n'arrivent plus à prier. Il ne faut pas que tu oublies une chose, c'est que c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Ce n'est pas la personne avec qui tu es. Ce n'est pas cette personne aujourd'hui-là qui te tourmente l'esprit, qui te donne le souffle de vie. Ce n'est pas cette personne-là qui te donne aussi la santé, qui te protège quand tu es dehors à chaque moment dans ta vie. Ce n'est pas cette personne-là. Tout ce que tu as traversé, c'est parce que Dieu, il a été avec toi. Si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu, il était avec toi. Il t'a gardé. Ses anges étaient avec toi. Il t'a protégé. Il a veillé sur toi. Il a veillé sur toi. Même dans cette vie de désobéissance que tu avais, il a veillé sur toi. Aujourd'hui, tu es là, tu pries, même quand tu tombes, Dieu est avec toi en tout cas. Pardon, parce qu'il y a des gens qui m'appellent là. Dieu est avec toi. Il ne faut pas que tu te décourages. Il ne faut pas que tu te sous-estimes, tu vois. Il ne faut pas que tu te sous-estimes. L'âge ne détermine pas, comment dire, ne devrait pas diminuer tes critères. Tu vois, quand tu pries, ce n'est pas parce que tu as un certain âge, que tu vois que tu as peut-être un, comment dire, un certain nombre d'enfants, que tu dois te contenter peut-être d'une personne qui va arriver, mais tu sens que ce n'est pas tes critères parce qu'elle te parle de mariage, parce que bon, voilà, tu vois ton âge, tu te dis, ok, Tovan Danabiso. C'est ta vie, en fin de compte. Quand tu regardes les choses, il ne faut pas regarder ton âge, il faut regarder ta vie. Tu regardes, est-ce que cette personne-là, je vais la supporter? Est-ce que cette personne-là, elle va vraiment m'aimer? Est-ce que cette personne-là, elle va aimer mes enfants? Elle va supporter mes enfants? Est-ce qu'elle va vraiment supporter mes défauts? Parce que l'amour, le vrai, tu vois, c'est une personne qui reste avec toi parce qu'elle n'arrive pas à se passer de toi. C'est une personne qui ne peut pas vivre sans toi. C'est une personne qui est là quand il y a des, comment dire, quand tu as des problèmes, qui est à ton écoute, même qui t'aime malgré tes défauts. Tu vois, l'amour c'est ça. L'amour c'est Dieu qui te supporte malgré tout. C'est le 1 Corinthiens 13, de verset 4 jusqu'à 8. C'est cet amour-là qui supporte tout. Et il n'y a que Dieu. Sur cette terre, tu risques d'être déçu. C'est pour ça que Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il y a plusieurs façons d'aimer. Il y a plusieurs, comment dire, dans cette phrase-là que j'ai écrite. Il y a tellement de sens. Il y a tellement de sens que tu pourrais ressentir. Il y a tellement de choses que tu pourrais comprendre. Tu vois. Mais le vrai amour, c'est Dieu. Tu vois, malgré le fait que tu as des problèmes aujourd'hui dans ta relation, tu ne dois pas oublier Dieu. Tu vois, là aujourd'hui, tu pleures, tu es peut-être inquiet, tu es peut-être inquiète, mais Dieu, en tout cas, il est toujours là. C'est à toi, en fait, de, comment dire, d'essayer de te sortir de ces problèmes-là et de regarder vers Dieu. Il y a des gens qui restent, comment dire, enfouis dans leurs problèmes, qui enterrent, comment dire, leurs pensées et qui pensent peut-être qu'en agissant ainsi, c'est peut-être comme ça que la solution va venir, que les choses vont changer ou peut-être tu vas attirer la pitié de la personne qui t'a blessé. La personne qui te blesse ne sera pas forcément celle qui viendra te consoler, tu vois. Parce que Dieu dit dans sa parole, c'est moi qui vous console, c'est moi, tu vois, c'est Dieu qui te console. Au lieu de rester comme ça, parce qu'il y a des fois des choses qui arrivent, ce sont juste des distractions. Un petit problème arrive, allez, tac, au lieu que tu te mettes à prier, à regarder même la parole, à regarder même des prédications, à louer ton Dieu, à le célébrer, à le chanter, à l'adorer, tu vas commencer à penser à une personne qui te sous-estime, qui ne te respecte même pas. Tu vois, une personne qui n'est pas là dans les moments les plus importants de ta vie, une personne qui se contente de peu. Une personne qui ne passe pas du temps avec toi, une personne qui te considère comme une option. Tu n'es pas dans ses priorités, en fin de compte. Et toi, tu te détruis la santé pour une personne comme ça, sérieusement. Alors que Dieu, il est toujours là, il a toujours été là, il est fidèle, il t'aime, mais inconditionnellement. Il est toujours là, je te dis. Il est toujours là, je parle en connaissance de cause. Il est toujours là. Cette vie que j'ai pu avoir avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je peux témoigner que Dieu est un Dieu d'amour, quoi. Mais l'amour là que je veux parler, j'ai même du mal à le définir. Parce que quand je pense que toutes ces années que j'ai fait dans le monde, Dieu m'a protégé, Dieu m'a gardé, je n'ai eu aucune maladie par rapport aux addictions que j'avais, aucune maladie par rapport à ces vies que je faisais avec ces hommes-là. Dieu m'a protégé.
À aucun moment, malgré la déception, j'ai eu envie de me suicider. Ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. Parce que toi-même, tu sais, beaucoup de gens sont partis à cause de la déception. Dieu te garde, Dieu te protège, Dieu t'aime. Ne va pas te gâter l'esprit, ne va pas te gâter la santé. Tu vas commencer à maigrir, à te faire du souci, à faire comme si c'était la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu, il est alpha et oméga. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Il y a une chose en tout cas que le pasteur m'a fait comprendre dernièrement à l'église. C'est ce verset-là qui dit, il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Parce que la façon dont ça a commencé avec Dieu, ce n'est pas de la même façon que ça va se terminer. Ce n'est pas parce qu'une chose commence mal qu'elle va mal se terminer. Parce que Dieu change le temps et les circonstances, tu vois. Mais c'est à toi en fin de compte de lui faire confiance. C'est à toi vraiment d'avoir, comment dire, recours à lui quand il y a des problèmes. Parce que Dieu entend les cris des malheureux. Dieu est là pour relever les justes. Dieu a besoin de toi. Il y a beaucoup de gens qui sont censés servir Dieu, mais qui se laissent aller à cause des problèmes sentimentaux, on va dire, qui se laissent distraire. On est des êtres humains. Ça peut nous arriver de tomber. Même moi, en tant que servante de l'Éternel, je suis un être humain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur que je ne pêche plus. Je reste un être humain, malgré tout, qui a une chair qui est faible, pour dire la vérité. Tomber dans le péché, c'est quelque chose qui peut perturber. Mais Dieu est amour. Il te demande de te relever. Fortifie-toi et prends courage. Il te demande de te remettre debout et de continuer ton chemin, parce qu'avec toi, il n'en a pas terminé encore. Dieu ne voit pas ta faiblesse, Dieu ne voit pas ton péché, Dieu a besoin de travailler en toi. Dieu sait que tu es faible, c'est pour ça qu'il a donné son fils, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois changé, pour que tu sois transformé. Quand tu as tes problèmes, il faut savoir se ressaisir, prendre la décision que, ok, je vais aller mieux. Tu sais, un père, quand il regarde son enfant pleurer, ça lui fait aussi du souci, ça ne lui fait pas du bien. Dieu veut te voir heureux, heureuse de nouveau. Tu ne peux pas rester comme ça à te morfondre, comme si c'était la fin du monde. Pour un être humain, tu vas gâter ta vie, ta santé, ton esprit, couper la connexion avec ton Dieu, celui qui te donne la vie, celui qui te préserve, celui qui est là, qui crée des situations, des circonstances quand tu es en galère. Des fois, non, c'est parce que tu ne te connais pas, c'est parce que tu te sous-estimes trop, c'est parce que tu ne connais pas la valeur de ton Dieu. De tout ce que tu traverses, c'est toujours Dieu qui est avec toi, qui te garde, qui te soutient, qui te préserve, quoi. Qui te préserve. Tu peux pas mettre Dieu à côté pour un homme. Tu peux pas mettre Dieu à côté pour une femme. Tu vois. Il y a des choses vraiment, quand tu es un enfant de Dieu, tu sens que non, j'ai d'autres priorités. J'ai d'autres choses à faire que à me morfondre pour un homme ou pour une femme. En plus de ça, qui te considère que pour une option. Qui te considère juste pour, comment dire, un passe-temps. Tu n'es pas un passe-temps. Pour Dieu, tu n'es pas un passe-temps parce que lui, il est avec toi tout le temps. Même quand tu dors, il est là, il veille sur toi. Je sais pas si tu te rends compte de ça. Tu vois, sur cette terre-là, le vrai amour, il n'existe pas. Il n'existe pas. Tu vois, le vrai amour, le parfait, c'est Dieu. Celui qui supporte tout, celui qui peut te supporter, même quand tu pètes un plomb, même quand tu craques, même quand tu veux tout lâcher, tu veux abandonner, même quand tu es à un point dont tu n'en peux plus. Dieu, il est là, il te supporte. Malgré tout ce que tu peux, comment dire, malgré tout ce que tu ressens au-dedans de toi, Dieu, il est là, il te supporte. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas laisser. Il faut laisser Dieu être Dieu. Il ne faut pas le limiter. Faut pas le mettre à côté parce que tu as des problèmes. Justement, il est là pour toi, tu vois. Il est là pour toi. Dans sa parole, il le dit dans le 1 Corinthiens, il me semble, c'est le chapitre 27 au verset 1, tu vois. Il choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Mais quand on dit qu'il choisit les choses faibles de ce monde, tu sais, quand tu as Dieu en toi, quand tu as Jésus en toi, c'est pour être plus fort par rapport à tout ce que tu vas traverser par la suite, tu vois. Dieu choisit les faibles. Dieu sait que tu es faible. Peu importe si tu tombes, Dieu sait que tu es faible. Tu vois, Dieu sait que tu es faible. Tu ne dois pas te laisser aller. Tu ne dois pas te laisser aller. Tu ne dois pas oublier que non, tu n'es qu'un être humain. Tu vois. Tu n'es qu'un être humain. Il faut que tu te relèves. Il faut que tu te ressaisisses, comme je disais tout à l'heure. Il faut que tu décides d'aller mieux. Dieu veut te voir sourire de nouveau. Dieu veut que tu ailles bien. Dieu veut que tu crois en lui. Tu vois. Quand tu as fait ta prière, il faut que tu restes, comment dire, dans une certaine. On appelle ça comment? Dans un certain état d'esprit, la positivité. Que tu continues de croire, tu sais que Dieu va agir en son temps. Ne force pas les choses. Peut-être que ce n'est pas pour toi cette chose-là. Il y a des gens qui ne sauront jamais ta valeur, qui ne comprendront pas pourquoi est-ce que tu es comme ça. Mais Dieu te comprend. Dieu ne te juge pas. Il y a des gens qui vont te juger. Oh, comment ça se fait que toi tu parles comme ça? Comment ça se fait que toi tu es comme ça? Comment ça se fait que moi quand je t'ai rencontré, tu n'étais pas comme ça? Mais il y a des gens qui ne comprennent pas que à force d'encaisser, le comportement peut changer.
Et il n'y a que la maturité qui peut te faire comprendre que, ok, cette personne, c'est vrai que quand je l'ai rencontrée au début, elle n'était pas comme ça. Ou il n'était pas comme ça. À force d'avoir encaissé, si c'était une personne qui ne parlait pas beaucoup, en tout cas, c'est sûr, ça va affecter son moral et ça va affecter son caractère. Tu vas voir la personne, soit elle est devenue trop dure ou bien agressive ou bien encore plus renfermée. Il y a des gens qui changent avec le temps. Quand tu connais une personne avec qui tu as été pendant longtemps, tu vois qu'elle a changé, ne commence pas à la juger. Peut-être que ton comportement l'a tellement affecté, mais il y a des gens qui ne se rendent pas compte en fin de compte, qui sont, comment dire, que leurs défauts affectent aussi le comportement de l'autre. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais je pense qu'avec un peu de maturité, avec le temps, tu dois pouvoir comprendre la personne avec qui tu es. Avec qui au moins tu as été. Tu sais que non, si elle est comme ça, quelque part, j'ai ma part de responsabilité dans cette façon d'être là qu'elle a ou qu'il a aujourd'hui. Mais peu importe qui tu es devenu, Dieu prend tout. Dieu prend tout. Dieu prend les gros, Dieu prend les pauvres, Dieu prend les petits, Dieu prend les noirs, Dieu prend les fous, il les change même. Tu vois, parce qu'on connaît l'histoire de Jésus qui a délivré un homme qui était, comment dire, possédé par une légion. Et qui est redevenu normal. Donc avec Dieu, ça veut dire que c'est possible de changer. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Je veux juste te dire de ne pas te décourager. Il ne faut pas te déconnecter de Dieu à cause d'un mec, à cause d'une femme qui t'a déçu, à cause des problèmes que tu as aujourd'hui. Dieu veut que nous vivions en paix. Tout ce qu'il a fait là sur cette terre, s'il a mis la lumière même sur les ténèbres, c'est pour que tu aies la paix, c'est pour que tu croies, c'est pour que tu aies l'espoir, c'est pour que tu souris de nouveau, c'est pour que tu aies, comment dire, la foi, quoi. C'est pour que tu continues à avoir la foi. Dieu existe. Dieu existe. Il faut que tu sèches tes larmes. Il faut que tu sèches tes larmes. Dieu veut te dire aujourd'hui qu'il faut que tu continues à croire. Il faut que tu t'accroches. Il faut que tu t'accroches. Parce que derrière la tristesse, quand tu laisses la tristesse, comment dire, tu t'abandonnes dans la dépression. Et la dépression peut pousser au suicide. Peut pousser au suicide. C'est Dieu qui te donne la vie. Ce n'est pas cette personne-là pour qui tu veux partir aujourd'hui. Quitter cette terre pour une personne, franchement, qui te considère, mais comme ça. Alors que pour Dieu, tu as de la valeur parce que tu es fait à son image. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alors ne te sous-estime pas. Pour une personne qui n'arrive pas à voir qui tu es, à regarder au-dedans de toi, mais Dieu voit tout ce qu'il y a au-dedans de toi, tout ce qu'il a placé depuis le commencement. Tu vois, Dieu sait où est-ce que tu vas aller. Mais cette chose-là, elle est en train de te stopper. Parce que le diable utilise souvent des gens pour essayer de te stopper, de te distraire. Des gens qui t'amènent nulle part. Des gens qui te font en fait que mal à la tête, que mal au cerveau. Et toi, si tu n'as pas le discernement, tu ne vas pas comprendre que ces gens-là soient en fait censés te faire tourner. Tu ne vas pas avancer. Tu vas faire que déprimer. Mais il faut que tu comprennes à un moment donné qui tu es, ta vraie valeur. Grâce à Dieu, tu vas le comprendre. Et peu importe le problème, tu vas rester peut-être un temps. Quand tu connais Dieu, tu cherches à sortir la tête du problème, tu vois. Tu restes pas comme si, Hosanna Matanga, comme si tu étais en deuil. Avec Dieu, ça, c'est pas possible. Quand tu sais qui est Dieu, en tout cas, tu vas chercher à te relever, à te battre. Tu vas te dire non, je ne vais pas, comment dire, me morfondre pour une personne qui ne me respecte pas, qui me néglige, qui ne connaît pas ma valeur, qui jusqu'aujourd'hui ne comprend toujours pas qui je suis. Tu mérites mieux que ça. Et pour toi, Dieu a mieux pour toi. Il a quelqu'un de mieux pour toi. Parce que quand il a créé Adam, ensuite il a créé Ève. Ça veut dire que pour toi aussi, il y a quelqu'un. Que la déception amoureuse ne t'éloigne pas de Dieu, ne t'éloigne pas de ton créateur, ne t'éloigne pas de ton père. Dieu veut que ta vie change. On est en 2017. On est en 2017, c'est l'année de la restauration. C'est l'année où Dieu va changer les choses si toi tu crois. Moi, je crois que ma vie, elle va changer. Moi, je crois que ma vie va changer. Et je crois que la tienne aussi peut changer si tu as des paroles positives pour ta vie. Parce que la positivité attire la positivité. Quand tu crois en Dieu, que tu restes calme, une fois que tu as fait ta prière, tu restes calme, équilibre. Tu lui fais comprendre que dans ta confiance, les bénédictions vont tomber, les choses vont arriver. Il faut rester calme avec Dieu. Quand tu fais les choses selon ta volonté, sois sûr qu'à la fin, tu vas te prendre un mur, ton cœur va être blessé. Tu vois, ton cœur va être blessé. Mais heureusement que Dieu est amour. Même quand tu t'éloignes de lui, Dieu, il est là. C'est à toi de revenir vers lui, parce que lui, il a les bras ouverts. C'est à toi de revenir vers lui. Tu t'es éloigné, tu es tombé dans le péché. Dieu est amour, Dieu pardonne. Dieu est amour. Ça, c'est le vrai amour. Je te parle d'un amour qui ne trahit pas. Aujourd'hui, tu peux te marier et au bout de 10 ans, te retrouver divorcé. Aujourd'hui, tu peux être en amitié, mais au bout de 2 ans, te faire trahir, quoi, par cette personne avec qui vous dormiez de temps en temps dans le même lit, meilleure amie déjà. Mais cette personne-là peut te trahir un jour. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Aujourd'hui, tu es avec ton copain, ta copine. Vous vivez dans la même maison, mais il y a l'infidélité. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Au tout et la raetoul, au bête et la raetoul.
Mais c'est une personne, en fin de compte, qui n'est pas digne de confiance. C'est une personne qui ment beaucoup. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Va pas péter un plomb parce que tu viens de découvrir quelque chose. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu vois. L'amour, le vrai, c'est Dieu. C'est pour ça que quand tu as des problèmes ici sur Terre, tu risques d'être déçu. Si tu fais que regarder ton copain, ta copine, Mobalina, yo, tes enfants, tu risques d'être déçu. La force, c'est quand tu comprends que non. Malgré ce qui se passe là, je sais que j'ai une solution qui s'appelle Dieu, qui s'appelle El Shaddai, Emmanuel, Dieu qui est parmi nous. Donc, Dieu est parmi nous, Emmanuel. Il est là en toi. Je sais que je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Ça veut dire que celui qui est en toi, il est plus fort que tes problèmes. Il est plus fort que ces mensonges que le diable essaye de te faire croire. Il est plus fort que la distraction. Il est plus fort que la déception. Il est plus fort que la perdition. Il est plus fort que la pauvreté. Il est plus fort que le célibat, celui qui vit en toi. Il est plus fort que la solitude, celui qui vit en toi. Il est plus fort que tout ça. Il est plus fort que ces choses-là que le diable te chuchote par rapport à ton passé. Celui qui vit en toi, il est plus fort que tout ça. Parce que lui, Dieu, c'est celui qui va tout changer dans ta vie si toi tu crois. Je voulais dire de ne pas te décourager. C'est pas juste qu'aujourd'hui tu te sous-estimes, que tu commences à te négliger pour une personne qui te regarde avec des yeux, on va dire, charnels. Qui te voit juste comme un accessoire. Tu n'es pas un accessoire. Dieu ne t'a pas créé. Comme a dit ma grand-mère. Donc réveille-toi. Réveille-toi, quoi. Il faut que tu agisses. Je sais que la déception, ça peut endurcir le cœur et tu crois plus à l'amour. L'amour existe encore. Dieu va t'apporter la personne que tu veux, mais c'est vrai qu'il faut être patient. C'est vrai qu'il faut être patient. L'erreur qu'on fait, nous, en tant qu'être humain, on peut retourner dans le passé. Parfois, on regarde en arrière. On regarde trop en arrière parce que c'est plus souvent de revenir avec une personne avec qui tu as été parce que vous vous connaissez déjà. Mais l'erreur, c'est que les choses ont changé, c'est qu'il se passe beaucoup de choses, tu vois, entre-temps. L'erreur, c'est ça. Mais avec Dieu, on est censé avancer parce qu'il a des plans de bonheur pour qu'on ait un avenir et de l'espérance. L'avenir. L'avenir, c'est regarder vers l'avant, c'est croire, c'est espérer. Quand c'est la volonté de Dieu que tu reviennes avec une autre personne, normalement la personne doit revenir changer. Ou alors toi-même, il faut que quelque chose ait changé en toi. Comme ça, le fait que toi tu changes, ça va changer cette personne aussi qui faisait partie de ton passé et qui est revenue dès à présent. Tu vois. Mais toi, il faut que tu restes forte, quoi. Il faut que tu restes fort. Que la déception ne te, comment dire, ne te noircit pas le cœur, ne t'endurcit pas le cœur. Parce que quand on dit que Dieu restaure, ça c'est une réalité. Ce qui m'étonne, ce sont les gens qui sont déçus et qui aujourd'hui ne croient plus en l'amour, mais qui croient en Dieu. Ça c'est un peu ambigu. C'est un peu ambigu pour dire la vérité. Je sais pas comment tu fais pour croire en Dieu et en même temps faire comme si l'amour n'existait plus. T'as de l'amertume, mais Dieu restaure. Tu es censé en fait être, comment dire, nettoyé, lavé de tout ça, sanctifié de l'amertume, de la rancune que tu as contre les hommes. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne viendront pas te blesser. Tous les hommes ne viendront pas s'amuser. Tous les hommes ne sont pas des aventuriers, tous les hommes ne sont pas des gigolos, tu vois. Tous les hommes ne viennent pas dans ta vie juste pour profiter. Avec le temps, quand tu grandis, tu te dis non, il est temps que je prenne des décisions. Tu peux tomber, mais il faut que tu te relèves, tu vois. Il faut que tu te relèves, c'est tout ce que je voulais te dire. Ne te sous-estime pas. J'insiste bien sur ce point-là. Ne te sous-estime pas. Quand tu connais ta valeur, quand tu sais qui tu es un être humain, tu peux tomber, tu peux faire des erreurs, tu peux pécher, mais dis-toi que Dieu ne va jamais t'abandonner. Jésus l'a dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus l'a dit. Ça veut dire que tu n'es pas seul. Même quand tu te sens seul, si tu penses à Dieu, tu penses à la parole, ça va te, comment dire, te donner, comment dire, la paix. Tu vas te ressaisir, tu vas te ressaisir. Tu vas pas rester stressé longtemps. En tout cas. Tu vas pas rester stressé longtemps. Donc, il faut se donner du courage. Il faut se donner du courage. Tu peux pas pleurer toute ta vie. Quand tu regardes dans le passé, les hommes t'ont trop blessé, les femmes t'ont trop blessé. Et aujourd'hui encore, au lieu d'avoir une relation, on va dire exceptionnelle avec Dieu, parce que c'est lui qui va tout changer, c'est pas ces gens-là. Tu sais que c'est Dieu qui change le cœur des gens. Quand toi tu forces une chose là comme ça, tu pourras faire ça pendant 10 ans, tu vas souffrir. Mais si c'est pas la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas finir par péter un plomb, à devenir mauvais, mauvaise tellement tu t'investis, t'as pas eu ce que tu voulais. Il y a des femmes qui ont tué par amour. Folie d'amour. Faut faire attention quand tu es dans une relation, la personne, elle est fanatique de toi, fanatique. Parce qu'il y a une différence entre être fanatique et aimer, quoi. C'est dangereux d'être fanatique. Fanatique. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver, ça ne marche plus. Les gens qui sont fanatiques, là, c'est le genre de personne, quand c'est terminé, tu sens que l'autre personne est dans une relation, mais toi, tu veux pas lâcher l'affaire, tu es devenu psycho.
psychopathes. Les fanatiques, ça devient des psychopathes. Parce que souvent, ceux qui agressent les stars, là, tu sens que c'était un fanatique. Tu vois. Non, franchement, ressaisis-toi. C'est tout ce que je voulais te dire. Parce que, un, tu mérites mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. Et de deux, t'es pas venu sur cette terre pour faire que pleurer. T'es pas venu sur cette terre pour servir de bourreau. T'es pas venu sur cette terre pour être une option. T'es pas venu sur cette terre pour servir de passe-temps, de bouchon, quoi, on va dire. On dit dans la vie trop bon, trop couillon. Faut se réveiller. Il faut se réveiller. Parce que ton temps aussi, il arrive. Ton temps, il va arriver et c'est cette année. Donc il s'agit juste que tu prennes, en fait, une décision, que tu comprennes. Que tu comprennes qui tu es, quoi. Un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu fait la distinction. Fais la distinction. Que Dieu nous donne le discernement. Parce qu'il y a beaucoup de choses, si tu ne te ressaisis pas, tu vas rester là et tu vas rater tes bénédictions juste pour une personne qui ne connaît même pas ta valeur, qui ne voit toujours pas ta valeur malgré tout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce monde-là peut te perdre. Ce monde peut te perdre. Toi, tu cherches Dieu. Hein. Ça fait un bail que tu cherches l'amour, là. Tu fais que... on appelle ça des enchaînements de relations. Tu es en train de chercher Dieu en fait. Tu recherches l'amour pour dire la vérité. Mais l'amour, le vrai. Et ça, c'est Dieu. Le moko que je parle là, moi dans mon titre. Je ne parle pas du musicien qui a chanté. Le seul, le vrai, c'est Dieu. Celui qui va t'amener vers l'amour. Celui qui va t'amener vers la repentance, celui qui va t'amener vers la sanctification, celui qui va t'amener vers Jésus, celui qui va t'amener vers la vie éternelle, celui qui va t'amener vers la vie que tu dois vivre en fin de compte. Parce que c'est pour ça que je disais au début, la réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vis là, c'est pas ça que tu dois vivre. Parce que Dieu ne t'a pas mis sur terre pour que tu passes ton temps à pleurer, pour que tu passes ton temps à être triste, pour que tu passes ton temps à te rendre malade. Dieu ne t'a pas mis sur terre pour ça. Je te répète encore, je ne sais pas combien de fois, tu mérites mieux que ça. Si la personne avec qui tu es n'arrive toujours pas à comprendre ta valeur, pose-toi la question, est-ce que tu es avec la bonne personne? Comment se fait-il qu'après tout ce nombre d'années, vous faites des enfants, la personne n'a toujours pas mis, ne t'a toujours pas mis la bague au doigt? Pourquoi? C'est quoi le problème? Après tout ce que tu fais, tu es serviable. Pourquoi? La personne n'arrive toujours pas à comprendre ta valeur. Pourquoi quand il y a un problème, la personne n'arrive pas à venir près de toi? Elle te parle toujours de distance. Pourquoi? En amour, on ne compte pas, on ne calcule pas la distance. C'est pour ça que je dis Bolingwezala, donc ebele mezalaka moko. Tu penses que Dieu, tu peux même t'éloigner. Quand je dis t'éloigner, partir dans un autre monde, aller voir même les marabouts. Mais Dieu, il va te rattraper. Dieu ne va pas regarder ce que tu fais, ces fautes-là, parce qu'il sait que tu es faible et que tu es impatient, qu'à un moment donné, ça ne va pas. Tu peux aller voir les marabouts pour que les choses s'arrangent. Mais Dieu va te pardonner, Dieu, il va être là pour te pardonner. Mais il y a des gens, quand tu fais une gaffe, ils te lâchent. Tu vois, le vrai amour, c'est Dieu. C'est tout ce que je voulais te dire. Le vrai amour, c'est Dieu. C'est que si tu tombes, lui te relève. Tu pèches. Oh, tu crois en lui. Toi, tu parles de Dieu, mais tu pèches. Dieu, il va t'aimer quand même. Dieu, il va t'aider pour que plus jamais tu retombes encore sous la même, comment dire, la même faiblesse. Dieu t'aime. Et pas comme les êtres humains. Parce qu'un être humain peut te rejeter parce que tu as changé. Un être humain peut te rejeter à cause d'un certain défaut. Mais Dieu, pour son fils, il a donné. Pour toi, il a donné son fils. À cause de ce défaut-là, à cause de ce péché-là. Tu cherches quoi dans le monde? Je ne comprends pas. La personne qui est avec toi, si vous êtes marié, c'est normal de l'aimer, mais de l'adorer. Tu sais que tu dois adorer ton Dieu au Fukamaka. Pour Nanzambo au Fukamarate. Aux Fukama, tu te mets à genoux. C'est pas ça la soumission. C'est pas ça la soumission. Le vrai amour, c'est Dieu. Quand on dit tout genou fléchira, c'est devant Jésus. C'est pas devant les hommes, quoi. Ce n'est pas devant les hommes. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Il ne faut pas sous-estimer. Quand tu sais qui tu es, il ne faut pas laisser les gens t'écraser. Il ne faut pas laisser les gens te prendre comme si tu étais, comment dire, juste un jeu. Tu n'es pas un jeu, tu es un être humain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pètent les plombs. Le cœur, la tête, là, ça ne va pas. C'est parce qu'ils ne comprennent toujours pas qui ils sont. Quand tu sais qui tu es, tu te relèves. Ah, crois-moi, tu te relèves. Tu ne te laisses pas faire. Tu ne te laisses pas faire. Tu n'es pas de la viande, tu vois. Tu n'es pas juste un petit truc là, assaisonnement. Je ne sais pas comment dire ça, tu vois. T'es pas n'importe qui, quoi. Considère-toi. Si seulement tu connaissais ta valeur. Si seulement. C'est à toi que je parle en tant que femme. Parce que en tant que femme, tu supportes beaucoup aussi. Tu as déjà des enfants. Ou alors peut-être tu es célibataire. Tu as tellement de choses à faire que te tracasser comme ça, là, pour une personne qui n'en vaut même pas la peine. Qui ne voit pas qui tu es. Donc, qui comprend pas qui tu es. Qui prend même pas la peine. Donc, il suffit juste d'un petit problème
Ils cherchent même pas à savoir si ça va mieux. Donc, il se passe des choses dans ta vie, mais la personne n'est pas là. Tu n'arrives toujours pas à comprendre que, oh, les moments où j'ai vraiment besoin de lui, la personne n'est pas là. Donc, en fait, tu ne peux pas compter sur cette personne-là. Quand ça ne va pas, la personne s'éloigne. Est-ce que, n'ayez pitié, t'es pas un enfant avec le temps, l'expérience, tu comprends que non, cette personne-là ne m'aime pas. Si cette personne m'aimait, elle allait être là. Toutes les raisons sont bonnes. Mais si cette personne-là n'est pas avec toi, si le soir tu n'arrives pas à joindre la personne, c'est qu'elle est avec une autre personne. T'appelles la personne répondeur, t'appelles la personne répondeur, toujours des raisons, toujours des excuses, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Dieu, tu sais, c'est pas une personne qui va t'amener une personne qui vit dans le mensonge, tu vois. Dieu ne va pas t'amener une personne qui est dans le mensonge. À moins que tu aies, comment dire, que ce soit vraiment dans le but que toi tu changes cette personne-là. Mais Dieu est amour. Dieu est amour, il sait ce que tu as traversé. Mais toi, tu comprends toujours pas en fait. Tu respectes toujours pas ton passé, tu comprends toujours pas ce que tu as traversé. Tout ce que tu as traversé, ça devait te donner la leçon. Tu vois, que c'est terminé. Il n'y a plus personne qui va m'écraser, il n'y a plus personne qui va me sous-estimer, il n'y a plus personne qui va me prendre pour une option. Tu vois. T'es pas une option. Quand tu te fais appeler toute option, fais attention au nom là que tu te donnes, toute option. T'es pas une option. T'es une femme, tu vois, donc il faut essayer de s'attacher à la Bible comme ça, tu sais que non, une femme sage bâtit sa maison. Mais une femme toute option, là, on s'amuse avec. Il faut faire attention aussi comment tu t'affiches sur les réseaux, femme. Comment tu t'affiches sur les réseaux, tu te montres trop ton décolleté, ton derrière, donc tout, faut bamouna yo, yo kaka. Et pourquoi on ne sait même pas, tu vois, la façon dont tu te montres, c'est comme ça aussi la façon dont on va te traiter. Je sais pas si j'ai bien dit ça. La façon dont tu te montres, c'est de la façon dont on va te traiter. Si comment dire, tu te montres trop légère, ah, on va pas te respecter. On va te prendre à la légère, on viendra te prendre juste pour une option, juste pour un passe-temps. Parce qu'un homme qui se respecte, il ne voudra pas être avec une femme comme ça. Vu que tu te montres légère, ça sera juste vite fait, léger, la relation. À moins que Dieu l'ait envoyé pour que tu changes de vie, en fin de compte. Femme, respecte-toi, c'est tout ce que je peux te dire. Respecte-toi. Reconsidère-toi. Cette société, elle veut tout gâter, même l'image de la femme. T'es plus une enfant. Ce sont les enfants qui se montrent toujours là à séduire les gens. À séduire les gens. Mais tu vas séduire jusqu'à quand? On voit tout. Il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus de mystère. Le mystère, il est où? Tu montres tout. Ok, tu montres, on va venir toucher, on va venir voir qu'est-ce qu'il y a. Bon, ok, c'est bon. Moi, tu vois, je respecte trop la femme. Ce sujet, c'est surtout pour les femmes. Ne te sous-estime pas. Ce n'est pas parce que tu as été déçu qu'aujourd'hui, tu dois te comporter comme ça. Ne te sous-estime pas. À cause de l'amour, à cause des déceptions, aujourd'hui, tu as décidé d'être une fille facile. Je préfère encore les filles qui sont devenues guerrières, têtues. Donc, il y a des filles quoi, dans, du genre moi, quoi. Elles étaient calmes, mais elles sont devenues trop, on va dire, un peu dures, tu vois. Bam, tu vois. Ça change le caractère. Dieu merci. Dieu merci, je préfère encore être comme ça. Tu vois, c'est pas pour juger. Mais il faut essayer en tout cas de se ressaisir. Parce qu'à un moment donné aussi, je sais que dans la déception, il y a eu une certaine déviation. Sortait beaucoup, beaucoup, trop de choses, destruction et tout spirituel. Mais quand j'ai compris, j'ai dit non, Dieu, il est là. Dieu, il est le pansement. Dieu, il est le pansement. Le monde va te juger. Aujourd'hui, au Kotitamsunavi, le monde ne comprend pas. Il y a des gens, tu vois, comme ça, quand tu les regardes, ils sont toujours à traîner dehors. Toi, tu sais pas pourquoi. La déception. Donc, ils n'arrivent plus à raisonner normalement. Ils sont, on va dire, dans un autre monde, quoi. Pour eux, ce qu'ils vivent là, c'est comme une consolation. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ne sont toujours pas consolés. Depuis le temps qu'ils sont dans le milieu, ils sont toujours pas consolés, malheureusement. C'est un peu dommage, quoi. Ils n'arrivent toujours pas à comprendre que la vraie consolation, elle n'est pas dans ce monde. Ici, le monde, c'est la perdition, en fin de compte. C'est la destruction, tu vois. Mais la vraie consolation, elle est vers Dieu. Quand tu te ressaisis, on est tous passés par là. On est tous passés par là. Mais à un moment donné, il faut se ressaisir. Parce que ça mène nulle part, tout ça. Il y a le manque de respect. Il y a la vie de débauche. Tu vois, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Ah, auprès de Dieu, tu vas être restauré. Regarde comment tu es devenu aujourd'hui. Tout gâté. Et tout ça, pourquoi? À cause de cette vie de débauche. Cette vie de débauche. Ah, je sais pas.
Fallait que je fasse ce sujet parce qu'il y a trop de gens qui se sous-estiment et qui oublient leur valeur avec le temps, avec l'âge, avec la déception. Tu peux trouver toutes les raisons du monde. Si toi, tu te sous-estimes, la personne qui viendra, elle va, comment dire, elle va te rabaisser. Mais si toi, tu sais qui tu es, tu ne laisseras pas qu'on t'écrase. Tu ne laisseras pas le temps. Tu vois. Ah non, mais elle est dure. Ok, ouais, je suis dure. Tu ne laisseras pas, tu vois, tu ne laisseras pas. Si aujourd'hui tu tombes, ça sera ton choix, ça sera ta décision. Mais normalement, si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu vas te relever, tu vas dire non, c'est bon. Tu vois, c'est bon, quoi. Ne te laisse pas faire, quoi. Ne te laisse pas faire. Pense à ta vie, tu vois, pense à tes enfants, tu es une femme. À un moment donné, il faut se ressaisir, quoi. Faut se ressaisir. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à te respecter, fais ça au moins pour tes enfants. Tu comprends? Fais ça au moins pour tes enfants. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous aime beaucoup. Non, c'est les ans, ma bête. Hein. So, race des vainqueurs, je viens de voir ta question. Kolaxa, moi, si qui au lingui, ma casse, les ans, ma bête. Les ans, ma bête. Si c'est une personne, en tout cas, qui t'aime sincèrement, en tout cas, elle va adorer cette chose-là, quoi, tu vois. Non. Ah, moi, si Walinga, sans intérêt, elle va apprécier cette chose-là. Ah ouais. C'est quelle femme qui ne voudrait pas que l'homme lui montre que Alingui est ma casse. C'est quelle femme? À moins qu'elle a mon intérêt, à moins qu'elle a tout le monde qui a considéré qu'on est passe temps, elle va pas te comprendre. Excuse-moi de te dire ça, tu vois. Elle va pas te comprendre. Mais une femme, elle demande toujours des preuves. Elle veut toujours sentir que tu l'aimes. Donc, une femme, elle demande en tout cas à ce que tu lui montres, quoi. Tu vois. Donc voilà, je vois pas est-ce qu'ils aiment. Non, ils en ont ma bête. Si tu es avec la bonne personne, ils en ont ma bête. En plus, si c'est elle qui te le demande aussi et que tu lui prouves, c'est parfait, quoi. Je sais pas si je me trompe, mais c'est parfait. Parce qu'après, si t'es pas avec la bonne personne, par contre, à Omono Yuma, elle va profiter, tu vois ou pas. Donc voilà, quoi. En tout cas. Et là, on m'a bêté. Hein. Quand Dieu nous montre qu'il nous aime, moi, et en plus, il le montre tellement fort, quoi. Et là, on m'a bêté. C'est tout ce que je peux dire. Et là, on m'a bêté. Kolaxamutukolingi. Et là, on m'a bêté. Kolaxamutukolingi, ce qu'on soit, en fait, à Zawana pour l'intérêt. Et à perte de temps, perte d'énergie. C'est là où tu peux tomber dans une sorte de, comment dire, souci. Ce qu'au bébé, ça t'en a, au bébé, ça va moral. Donc, au bébé, ça peut être bon. Parce qu'il y a tellement de gens qui veulent montrer, moi, je t'aime. Alors, ils sortent l'argent. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils s'investissent, quoi, tu vois. Et après, à la fin, comme ils n'ont pas le résultat donné, allez, c'est la haine qui rentre. Mais tu fais les choses, c'est même pas la volonté de Dieu. C'est ça aussi. Mais Kolaxa, moi, si, Kolingi, Makasi, et Anaon, ma bête. Ah ouais, pour mon bali, ou Alingi, moi, Sinaye. Alors ça, là, moi, si, ce qui. Voilà. Moi, j'aime ma femme, je vais lui montrer que je l'aime. Et à ma bête, l'amour, c'est pas mauvais. Attends, ils ont ma casse, ils ont ma bête. Selon, là. Donc, voilà, quoi. Et le problème des Congolais, c'est qu'ils sont orgueilleux, certains hommes. Ils veulent pas le montrer. C'est bizarre. Sur les réseaux, ils vont dire des je t'aime à gogo. Ça, c'est trop bizarre. Merci Seigneur de m'inspirer. Des je t'aime à gogo sur les réseaux. Mais à la maison, à ta femme, tu dis pas ça. Hein. T'as du mal à dire à ta femme que tu l'aimes. T'as du mal à dire à ta femme qu'elle est belle. T'as du mal à dire à ta femme que non, elle est bien habillée. Ah ouais. Libanga Atalo, est-ce que Nakosi? Et il y a des hommes, ils sont bizarres. Non. Comment on dit ça? Au petit kissi maquillage. Dans Omi Boma. Tu vois ou pas? On mis bon ici, la personne rentre et te regarde ni O ni A. Mais par contre, si tu as maquillage bien ou bien que latine tu bah, n'as habité. Ah. Alors là, il va pas. Laisse tomber, quoi. Il va pas te lâcher. Ou la tibo est pas nini. Voisine à la taraboete. C'est trop bizarre. Congolais, bossala est fort. Bossala est fort. Sozana Mundele, ça va être. Oh oui, le chat perché sur les fromages. Donc, bah, poème et bima. Mais une femme, habité bah tu me suis sur mon arbre mana congolaise au bandeau négligé au mon net indéconao petite sœur naio donc plus de valeur bolexi jabatan ou asu na tenté la téléphone tu veux plus passer le temps. Il y a des gens qui peuvent te dire ah non mais toi ébani déjà makamwana zaki na ébandeli mbokatié. Parce qu'en fin de compte, quand tu es avec une femme, le romantisme, ça compte. Il y a des choses qui tuent l'amour. Quand tu fais rentrer les habitudes, oh, Toza, donc ça fait depuis longtemps qu'on est ensemble, il faut les aller d'une certaine façon, monotonie. Toi, on a poto, on a de la chance, même na kin, écoute, bah, profitera trop. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tellement de femmes quand tu fais rentrer la monotonie, parce que vous êtes ensemble depuis longtemps, elle va aller te tromper avec un gars de kin. Quand tu me demandes pourquoi se fait-il que non, bah si allez bah comme mibali à kin, pose-toi la question, toi, pourquoi yoza na poto, pourquoi bah kin de tromper au kuna na kin? Pourquoi bah kin de tromper au kuna na kin? Toi avec qui elle a eu des enfants, toi avec qui elle a passé le temps, qu'est-ce que tu ne fais plus à la maison?
Il y a tellement de choses là que je dois faire bientôt en émission avec les gens là-bas sur Congo Synthèse. C'est pas normal. Tu te poses pas la question. Comment ça se fait que moi, sinon, Nangakoumi est infidèle? Elle te demande de lui montrer l'amour. Toi, tu restes orgueilleux, tu restes dictateur. Elle va aller chercher ce que tu lui donnes pas. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la femme est devenue comme l'homme, infidèle. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai fait un statut. Si de nos jours, tu as une femme qui est fidèle, naébité, ça grâce à Nzambe, c'est de la chance. Allez, il y a des gens qui ont mal pris ça. Mais c'est une réalité. Il y a d'autres personnes qui préfèrent rester célibataires, mais d'autres, elles sont en couple, mais elles te trompent. Parce que tu lui donnes une partie, mais d'un autre côté, tu lui donnes pas. Elle va à Kin, elle prend ce que toi, tu lui donnes pas. Et cette chose-là qu'il y a à Kin, pour dire la vérité, on appelle ça le romantisme. Donc imagine, t'es avec un gars, Ayembe la robe à Nzembo, à ça la robe à cadeau. Donc, il y a des choses qui sont tellement simples, mais qui font vibrer la relation, quoi. Tu vois? Et ça, il y a beaucoup de Congolais là, bah, Bosana. Allez, toi, t'es un homme, tu vas venir me dire, oui, mais bah, c'est à poto, t'es boité. Mais là, cette vidéo, c'est pour les femmes. Cette vidéo, c'est pour les femmes. Ah ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes avec le temps. Le romantisme que toi, tu as besoin dans ta relation, il va la faire avec une autre. Oh non, moningana toye bani bandaka là. Il vaut mieux aller d'une certaine façon. Mais la façon là, tu lui demandes d'être avec lui, cinéma, cadeau, donc tout ce que vous êtes censé faire parce que vous êtes dans une relation depuis longtemps, il va aller le faire avec une fille full option. Juste pour un temps. Et toi, t'entends ça. Je sais pas si ça va te faire du bien. Donc, au final, qu'est-ce qu'elle va faire la go aussi? Ah. Toso la Kati. Elle va aller à Kin. Et ça, c'est une réalité. C'est pas dire aux gens de faire les choses. On parle de réalité, quoi. Tu vois. Tu négliges, elle risque de te négliger. Malheureusement. Moi, je parle pour la génération qui sont jeunes. Tu vois. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est parce qu'il y a beaucoup. Il y a beau, dans Katia couple, il y a tellement de choses, mais ça en fait partie. Pourquoi est-ce que la femme, elle va aller te tromper? Pourquoi moi, sinon, a commis infidèle? Si vous étiez tous comme les races des vainqueurs, là, Bolini, on m'a cassé. Il y aurait moins de problèmes à la maison. Parce que c'est pas normal. Outina, moi, sinon, na kin. Boye, awana poto. Na habité l'oni, ne sali que. Avec le temps, au moins, est sous la valeur, t'es. Yo, paye moi, si mi batte là. Bon, mi ça paye. Yourself, hein. Maquillage, beauté, c'est pas parce que tu as eu des enfants que tu dois te laisser aller. Tu vois, ça c'est juste une parenthèse parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes. T'es beau déjà. C'est pas une raison. Bah, tu l'amour là, c'est les faux raisonnements. Les raisonnements, mon boy, qui non, t'es oumeli. T'es oumeli. Donc, ça peut tuer aussi l'amour, le fait de penser que assurance, mon boy, que non, parce qu'on est ensemble, donc c'est bon, il peut me voir en t-shirt, il peut me voir. Comment dire, en pagne, tout le temps non, tout le temps non, tout le temps non. C'est pas parce que, comment dire, t'as pris de l'âge que tu dois te laisser aller, en tout cas. Parce qu'il y a des mamans qui se laissent pas aller. Et il y a des mamans qui vont récupérer ton mari. Là, je dis la vérité, hein. Faut pas se laisser aller. Faut pas se laisser aller. Quand on est en couple, en tout cas, n'habitez. C'est pour ça que le dialogue, ça compte beaucoup. Mais il y a des gens qui ne veulent pas dialoguer. Il y a des gens, ils sont chelous, t'es en couple, tu veux pas dialoguer. Ça, c'est quel amour, ça aussi. Notre Père, quand il nous dit prier sans cesse, il veut qu'on lui parle. Il veut que tu enlèves tout ce qu'il y a dans ta tête, là, parce que peut-être qu'avec la personne avec qui tu es, il n'y a pas de dialogue. Mais toi, à la maison, vous ne parlez pas. Tu ne pries pas. Regarde ça, Salamabé. Il y a beaucoup de personnes qui ne dialoguent pas à la maison et qui vont à l'extérieur. Parce que dans le couple, hein, Mobala Solola Anayete, et elle va à l'extérieur. Prie. Parle avec ton Dieu. C'est lui qui change le cœur des gens. C'est tout ce que je peux te dire. C'est Dieu qui change le cœur des gens. La personne avec qui tu es, Azamte Mamabé. Parce que quand tu es avec une personne, peu importe ton comportement, au moment où toi tu es calme, elle peut venir t'approcher et venir te parler. Mais les gens qui t'évitent là parce qu'il y a des problèmes, parce qu'à mon moi, comme au Mati, mon bali, hein. Moi je parle dans mon bali avec un grand M. Moi c'est à Mati, à 100, il faut qu'il tienne à zéro. Dans ma dignité quoi. Je dis pas que tu dois la tabasser, mon bali. Ouais, et bien sans y a dialogue. Ma chérie, calme-toi. Tu viens avec ta douceur. Tu sais comment. Parce que quand la femme t'approche pour la douceur, là-bas, quand vous êtes au lit, ah, en tout cas, elle prend le temps. Pourquoi toi, tu ne prendrais pas le temps? Quand il s'agit de parler vraiment. Quand il s'agit vraiment d'essayer d'arranger la situation. Aujourd'hui, je sais pas si c'est les jeunes, mais il y a des gens qui ne veulent plus le dialogue. Quand tu lui prends la tête sur un sujet, peut-être qu'il n'a pas envie d'en parler. Vérité, moi, histoire, moi, m'embrouiller ma cambo. Tu vois, ça, c'est quel amour, ça? C'est pas de l'amour, ça. L'amour supporte tout, tu vois, non? L'amour supporte tout. Tu vas avec la personne, vous essayez de parler. Vous essayez de parler. Tu vois. Attends qu'elle se calme. Personne n'est parfait. Il y a des gens, dès qu'il y a un problème, ils s'en vont. Oh, pas à au téléphone. C'est bizarre quand même.
Ah, Lukate, que non, ok, bon solo là. Moi, si soit Sili, qui a moi si. Yo, za mobile, yo, ça là, bah, caprice, non, mais une fois que yo, on m'en appelle moi si aya bondé, yo. Pourquoi yo bondé la moi si nan hôtel? Ni bali, misou, souba, mais ça, ni ça, bah, on m'a bé. Moi, si tellement fou kamaka, à mon akaba bondé la raye kaka. Bah, si misou, souba, bah, baby, ça, ni bali, pour dire la vérité. Ah ouais. Tu l'as tellement supplié, il arrive même pas à reconnaître quand il a tort, ma soeur. Aujourd'hui, c'est à ton tour, mon frère. Tu lui as fait mal, tu l'as blessé, tu l'as négligé. Aujourd'hui, elle a changé. Elle n'arrive plus à se calmer. À comment ma cassi trop. Ah, t'es ça trop. Mais tu comprends pas. Et juste parce qu'elle est comme ça, toi, t'es parti la tromper. Mais mon frère, il est temps que tu grandisses. Hein. Essaye de réparer ce que tu as brisé en elle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous priez même pas. Faites que sortir. Il y a un problème au whisky. Il y a un problème aux distractions, Ganda. C'est pas ça la vie. Bokendaku tu voyages t'es. Bah salé la binou, bah quartier c'est qu'en à Dubaï. Bon voyager, bon lingité. Ka Kin. Ka Nganda, c'est pas ça. Tout ça un peu, tout s'intégrer un peu quoi. Moi restaurant chic, moi magasin. Ouais, moi sinon Tomboka qui moi sac. Il y a des choses quand tu t'approches de ta femme, tu sais qu'elle est en colère. Ok, ta Christian Dior. Pour yola ta Marco Linga, moi sinon, ou pas, tu l'aimes. Tu lui fais un bon cadeau aussi de valeur. Pour mon sous son cabelle au parfum, azelio 30 millilitres. Les petits. Mais yo basombele autant mon sous yo moko yebi. C'est très bizarre. Il y a un on dit, non. Il y a plusieurs façons d'aimer, mais en réalité, il n'y en a qu'une seule. Quand une personne t'aime, tu vas sentir la différence. Au ressentir un mot. Au ressentir un mot. Parce qu'une personne, déjà, quand elle t'offre un cadeau, ce qu'elle t'offre, ça peut définir aussi la valeur qu'elle a, que tu as à ses yeux. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens, quand ils vont t'offrir une bague, on va dire, moi je suis pas matérialiste, mais ça c'est, comment dire, moi pas de ça par exemple. Quand je vais aller t'acheter des baskets, je vais pas aller à l'office. Je vais aller dans un grand magasin, tu vois ou pas, Dolce Gabbana, et je vais dépenser pour te montrer que non, tu as de la valeur à mes yeux, tu vois ou pas. Alors toi, quand c'est mon tour, m'amène pas des choses de chez Jennifer, de chez Primark. Je suis désolée, on dit c'est le geste qui compte, arrête de mentir. Il faut qu'il y ait un peu d'équilibre. Tu comprends? Il n'y a qu'une seule façon d'aimer. Tu pourras venir avec tes mensonges, tout ce que tu veux, il n'y a qu'une seule façon d'aimer. Mais c'est pour en revenir à ce que je disais, le dialogue. C'est aussi, comment dire, une preuve d'amour. Quand tu aimes la personne avec qui tu es, tu prends le temps. Kanda ezamu baya, ça passe, la colère. Une fois que la colère est passe, tu dois chercher. Si tu l'aimes, tu dois la chercher. Il y a des gens, tu peux être en colère. La personne est en tort. Mais Azoz est là que toi-même, en fait, tu ailles vers elle ou vers lui. Mais il y a des gens, n'habités. On dit que Balou Babazalaka, c'est quoi? Orgueilleux. Orgueilleux. N'a habité sur Bassia Balou Babazala. Bon, mais c'est sans polémique. Hein. Moi, vraiment, ma camabé, colo, je calcule pas. Je pense pas que l'orgueil, c'est une question d'écolo, en fin de compte. Je pense que c'est, comment dire, la mentalité, on va dire, des Congolais. Il y a des gens qui ont du mal à se rabaisser. Il est en tort, il a du mal à se rabaisser. À comprendre que non, côté, on a fait quand même la gaffe. On a salipé, soit c'est pélité quelque part. A zappé n'a raison et on s'est pélaté. Mais c'est difficile pour faire admettre. Alors tu vas prendre une décision et la personne, il faut que tu lui laisses un an. Et elle va comprendre au bout d'un an que non, j'ai déconné, je viens te demander pardon. Mais durant un an là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé. Et ça passe. Hein. Et ça passe. En tout cas, le vrai amour. Le vrai amour. Il faut savoir le démontrer aussi. Il faut savoir le démontrer. Comme Dieu nous le montre à travers le souffle de vie, à travers le fait qu'il nous protège chaque jour, qu'il garde à Abba, à Abisso, tu vois, le vrai amour, quoi. Il n'y en a qu'un seul, le vrai, c'est vraiment Dieu. Parce que sur cette terre, quand tu vas commencer à parler réalité, tu peux faire des sujets qui peuvent durer 2, 3 heures, tu vois ou pas. Donc, voilà, quoi. Accroche-toi à Dieu, c'est tout ce que je peux te dire. Dans ta relation, dans tes problèmes de cœur, dans tes déceptions, par le fait que la personne que tu attends jusqu'à aujourd'hui ne revient pas, par le fait que la personne ne te comprend pas, par le fait que la personne veut peut-être te quitter, que vous êtes séparés, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu, parce que c'est, en fin de compte, c'est lui-même qui t'apportera la solution. Yo, tu vas taper à côté. Tu vois. Aujourd'hui, tu es peut-être dans les soucis. Écoute, prends un temps, regarde une prédication, même de 20 minutes. Il y en a plein sur YouTube. Tu vois. Moi, quand je vois que ça va pas, il faut qu'il nous la prédication, je me dis, oh, comment ça va pas? Zambaza vivant. Non, les Latikans. Non, ça, la matanga, ponanani. Franchement. Dieu, il est vivant. Ça veut dire que tes problèmes, là, ils ont une solution. Mais c'est que tu regardes pas dans la bonne direction.
La personne là qui est en train de supplier, la personne là sur qui tu es en train de craquer. Mais quand je dis craquer, que ah, oh mon okoufa, okoufate. Si tu regardes vers Dieu, okoufate. Attends, mon tana zo salo passe. Avec Dieu, quand tu vas prier, il va te donner une paix. Que mon tana ya tumbolio, a saliso inini, indifférent. Donc, osons encaisser, mais nandenga ma bête. Il y a quelque chose dans ton cœur qui se passe, on appelle ça la paix. Malgré le problème, quoi. Tu vois. Moi, je parle de Dieu, j'ai aussi mes problèmes, j'ai aussi mes défauts. Nako ya rapé, tu vois, parce que je suis un être humain. Faut pas faire comme si, oh, tu parles de Dieu, toi, tu pèches pas. Non. Je peux pas vous mentir. Je peux pas vous mentir. Je suis pas parfaite, quoi. Tu vois. Mais, en tout cas, je sais que j'ai l'esprit là, j'ai ce don-là de parler pour éclairer, pour aider. Alors, je vais le faire. Peu importe ce que le diable veut me faire croire. Ça s'arrête pas. Comment dire je m'arrête pas face à la négativité, quoi. Je tombe, je me relève. Dieu, il est là, il me dit continue, vas-y. Je sais ce qu'il y a en toi. Tu vois. Et je voulais te dire aussi pareil, continue. C'est comment dire ce qu'il y a, ce qui va se passer demain, il n'y a que Dieu qui sait, mais fais-lui confiance, quoi. Les choses, elles vont changer. Les choses, elles vont changer. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse tous d'avoir suivi ce live. Moi, je vais vous laisser ici. On a bien rigolé un peu quand même. Allez, je vous salue tous. Vous êtes beaucoup. Si je commence à dire les noms là. Ma soeur Mireille Massamba. Ma soeur Bénédicte Cass, je te salue. Surtout dans les couples, chercher à ce que l'autre craigne Dieu. Ouais. En plus, ça, c'est pas facile quand il y en a un qui prie et l'autre dans le monde. Mais que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Ma soeur Angelina Mwanangani. La race des vainqueurs, ma soeur mère des jumelles. Alors, mon frère Ismaël dit ça aussi. Je vais vous laisser en tout cas. Merci d'avoir suivi. Mbiakador Songe Yambeli. Voilà, j'espère que ça va. Ben écoutez, je vous dis bye. Soyez bénis. En tout cas, voilà. Falena Loba. Falena Loba. Parce que je sens que des fois, on se prend trop la tête à cause des relations, mais. Le plus important, faut pas oublier qu'il y a un Dieu qui veille sur nous, quoi, tu vois, et qui veut que notre bien, en fin de compte, que même s'il y a des problèmes, ça peut, tu sais que tu peux avoir des problèmes, mais malgré tout avoir la paix. Tu peux avoir des problèmes, mais malgré tout sourire, être bien. Problème et jamais. Nanakimia. Et ça, je te mens pas. Parce que moi, si j'arrive à sourire, si j'ouvrais mon cœur, te montrer ce que j'ai à l'intérieur, tu dirais, mais comment elle fait? Ça, c'est Dieu. C'est tout ce que je peux te dire. Donc, voilà. Donc, il est possible d'être heureux, même en ayant des problèmes, je t'assure. D'être bien tranquille, ou non, sereine. Tu vois ou pas? Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Malgré tout ce que tu vis, grâce à Dieu, tu survis, quoi. Ah ouais. Grâce à Dieu, tu vis. Tu vis. Oh, la colère, oh, la haine. Oh, mon Dieu, aide-moi. Enlève-moi la colère, enlève-moi la haine. Je sais pas quoi, tout ce que tu veux, tout ce que tu traverses. Et tu verras qu'il y aura un retour. Dieu prend tes problèmes, il te laisse la paix. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Faut que tu parles avec ton Dieu, faut que tu pries. Ozo, c'est soulagé, quoi. Si tu restes avec tes problèmes, tu vas craquer, tu vas vouloir boire, tu vas vouloir fumer, revenir sur des choses que tu avais laissées. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a certains problèmes, Satan a créé ça juste pour que tu reviennes en arrière, pour te distraire, pour que, voilà, tu fasses pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu sois en connexion avec ton Dieu, tu vois. Ah ouais. Jésus n'est pas mort pour rien. Je ne sais pas si tu crois en Dieu ou pas, mais sache que Dieu a donné son Fils unique pour toi, pour tes problèmes. Que tu sois libéré de la condamnation, de la mort et du péché. Ça veut dire qu'il y a des solutions, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, tu vois. Ne te décourage pas, quoi. Tu peux avoir des problèmes, mais avoir la paix malgré tout. Ah ouais. Dieu te contrôle. Que Dieu vous bénisse tous.